bordel, puisque le couple se reforme pour cette élection législative, même s'ils ne sont pas quittés depuis 5 ans. J'aimerais simplement vous donner quelques petits détails et quelques petites méthodes pour les quelques jours qui viennent, parce que, comme certains le savent, je suis en charge avec toute l'équipe de la permanence départementale de la campagne de Nicolas Sarkozy sur la Haute-Saône. Nous sommes à 9 jours du premier tour, et plus que jamais, nous devons tous nous mobiliser pour aller chercher les indécis, pour aller chercher toutes celles et ceux qui hésitent encore sur le choix de leur candidat. Et donc, depuis plusieurs jours, nous organisons des manifestations et des petites initiatives ici et là dans le département. Et je vous demande toutes et tous, si vous avez fait le choix de Nicolas Sarkozy, eh bien, de convaincre toutes celles et ceux qui ne le sont pas encore. Je vous donne un rendez-vous, deux rendez-vous. Mercredi prochain, Nicolas Sarkozy est sur France 2, le journal de 20h. Ce sera vraisemblablement sa dernière grande intervention avant le premier tour de cette élection. Il faut qu'elle soit très, très, très suivie par un maximum d'entre nous, que tous les Français puissent entendre ce message qu'il nous adressera avant d'aller dans l'isoloir dimanche prochain, dimanche dans 10 jours. Donc, parlez-en autour de vous, que chacun soit devant son poste de télévision mercredi prochain, 18 avril, afin d'écouter Nicolas Sarkozy avant cette dernière ligne droite. Le deuxième message que j'aimerais vous faire passer, c'est que la veille du premier tour des présidentielles, nous organiserons à Gré et à Vesoul des grands rassemblements. À Vesoul, ce sera au lac, c'est un endroit assez sympathique qui se fait ce temps-là. Donc nous vous invitons tous au lac de Vesoul, samedi 21 avril à 11h, et sur le pont Gré. Les Grévois pourront se retrouver sur l'emblème de leur ville, qui est ce pont qui franchit la Saône, afin que nous montrions à toutes et à tous que Nicolas Sarkozy, partout en France, dispose du plus grand réseau, du réseau le plus motivé dans tout le pays, qui est son arme la plus efficace pour défendre ses idées et pour aller vers la victoire. Donc deux rendez-vous importants, le journal de 20h du 18 avril sur France 2 et ces grands rassemblements à Gré et à Vesoul le 21 avril prochain. Et ce qui serait même encore mieux, si vous souhaitez venir, venez habillé en bleu. C'est un peu la demande de Nicolas Sarkozy, le signe qui fera qu'on se retrouvera. Nous aurons tous un t-shirt, une chemise ou un peu bleu. Et enfin, ça fera une belle place, une belle grosse place avec quelques fanions en plus. Si ça aussi le cœur vous en dit, mettez une chemise bleue ce matin-là et retrouvez-nous sur le pont de Gré ou au lac de Verre pour montrer le soutien que nous donnons à notre candidat. Voilà, je ferme la parenthèse présidentielle parce que vous êtes aussi là pour soutenir et pour, je dirais, lancer notre candidat à la joyandais législative. Vous avez sans doute reçu à l'entrée ce petit document, ce petit fascicule qui sera distribué dans toute la circonscription dans les jours qui viennent. Et là, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se mobilisent. On les connaît bien, on travaille avec eux. Je ne vais pas tous les citer, mais sachez que vous nous êtes essentiels, vous nous êtes très utiles pour que cette campagne soit un succès. Alain Joyandet, il compte sur vous, nous comptons sur vous pour que son message passe au plus près des foyers de cette circonscription. Donc ce petit document qui présente la campagne d'Alain sera dans toutes les boîtes aux lettres dans les jours qui viennent et chacun pourra en parler. Autre petit document qu'on vous a distribué à l'entrée, ces petits coupons, ce serait sympa de les faire remplir à vos voisins, à vos amis, à vos parents, afin, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y ait un maximum de personnes qui s'inscrivent sur le comité de soutien que nous avons l'honneur de présider, Carmen et Michel, afin que la population voit que derrière notre candidat, derrière Alain Joyandet, il y a une masse de personnes motivées et qui font confiance à Alain Joyandet. Voilà, je ne serai pas plus long. Le premier tour des législatives, c'est dans 2 mois, pile, hein, c'est le 10 juin prochain. Donc nous avons 2 mois, tous ensemble, pour aller convaincre toutes celles et ceux qui iront voter en ce début du mois de juin prochain. Je ne serai pas plus long, j'ai même déjà été trop long. La parole est maintenant au député suppléant, conseiller général du canton de Gré, qui va s'approcher du podium. Je vous demande de l'applaudir, il s'agit de Patrice Devos.